bonjour. 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 Alors c'est Solidaire d'abord, émission sur fréquence 7, pas pareil, différente et tout ça, quoi. Voilà, et aujourd'hui, on va fêter un anniversaire. Eh oui. Ouais. Alors, bon on pourrait presque le chanter. Hein. Eh oui. Et donc, cet anniversaire, c'est un an après. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Il y a un an, c'était les événements de Sainte-Soline. Sainte-Soline. On ne va pas les oublier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Soline exactement? Pourquoi Sainte-Soline d'abord? On y va directement. Allez, c'est parti. Eh bien, Sainte-Soline, c'est une manifestation. Enfin, à Sainte-Soline, dans la commune de Sainte-Soline, il y a un an, jour pour jour, une manifestation qui était organisée par un collectif d'associations et la Confédération paysanne pour protester contre les méga-bassines. Parce que dans cette région, là-bas, il y a plusieurs méga-bassines. Les méga-bassines, il ne faut pas s'imaginer que c'est un petit trou, hein. C'est plusieurs terrains de foot, hein. Je crois que c'est un hectare. Je crois 10 terrains de foot. Et, ouais. Et ce n'est pas des trucs qui se remplissent par le ciel. Ce n'est pas de l'eau de pluie qui remplit la bassine. Ce n'est pas de l'eau de pluie. Et ça, c'est vraiment, il faut le savoir, c'est de l'eau qui est pompée dans les nappes phréatiques. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas l'État qui organise ça, ce sont des privés, des agriculteurs privés qui se font une réserve d'eau pour pouvoir irriguer pendant tout l'été. Voilà. Il y a des assèchements de rivières, il y a des conséquences, et même des modifications climatiques. Avec le changement climatique, ce qui se passe, c'est que quand on pompe dans la nappe phréatique, évidemment, après, les rivières sont moins alimentées. Des fois, par exemple, c'est le cas aussi, en ce moment le Puy de Dôme, où il y a alors là une ultra méga bassine qui est en projet, qui est la plus grande de France, pour l'Imagrain. Et donc, il y a des gens qui se mobilisent parce que ça va pomper de l'eau dans la nappe phréatique qui alimente la rivière locale qui est l'Allier. Et l'Allier, c'est la source d'eau potable pour toute la ville de Clermont-Ferrand. Donc, voilà. On est dans des conflits d'usage majeurs, là, vraiment. Mais l'eau n'est pas un bien commun. Et voilà. Et c'est ce qui avait motivé la manifestation de Sainte-Soline. Donc, en plus, il n'y a pas d'espace démocratique où on puisse discuter de tout ça. Il n'y a aucun espace où on puisse discuter de tout ça. Et vraiment, je pense que c'est une urgence parce que tant qu'il y a de la ressource pour tout le monde, tout va bien. Bien sûr. Le problème, c'est qu'avec le changement climatique, on a de moins en moins d'eau, ou alors trop d'eau, comme on a vu cet hiver dans le Nord. Mais dans le reste de la France, on a de moins en moins d'eau. Cette année, ça va, il a plu. Je pense que c'est l'effet El Niño. Mais l'année dernière et l'année d'avant, on avait des sécheresses très importantes avec des nappes phréatiques très, très basses. Et donc, il faut qu'on se pose. Il faut qu'il y ait un endroit à un moment donné où on se pose pour déterminer des priorités et éviter des conflits d'usage avant qu'ils n'apparaissent. Voilà. Oui, parce que c'est donc un bien commun et que ça peut se discuter entre les différents acteurs et utilisateurs de la ressource. C'est ça, entre les citoyens, les agriculteurs, le monde de l'économie qui a besoin d'eau aussi, l'énergie. On a besoin d'eau aussi pour les centrales nucléaires, par exemple. Voilà, donc tous ces gens-là, on a besoin de les réunir et de voir comment on place les priorités? Par exemple, en ce moment, dans les Pyrénées-Orientales... Par exemple, tu as raison. Il y a, je crois, une grosse pénurie. Une énorme sécheresse. Je vais peut-être dire une bêtise, mais ça fait près d'un an qu'il n'a pas plu là-bas. C'est ça, oui. Voilà. Ouais. Et il y a un projet de golf. Bon, ben, où est-ce qu'on discute de ça? C'est pas possible de rester comme ça. Tout à fait, oui. Voilà. Et donc c'était tout l'enjeu de ce qui devait se passer à Sainte-Soline. C'est-à-dire que là, il y avait un collectif d'usagers, il y avait les soulèvements de la terre, on est d'accord. Il y avait les mouvements écologiques, puisqu'il y avait à la fois des élus écolos, hein, puisqu'il y avait Benoît Biteau, là, qui est élu à l'Europe, hein, écolo. Il y avait Marine Tondelier. Il y avait aussi des élus de la France Insoumise qui étaient là-bas. Voilà. J'ai vu Philippe Poutou, donc il y avait du NPA.
il y avait Julien Leguet qui était le porte-parole de tout ça, et tous ces gens-là, il y a un gars de la conf, Benoît Journet, excusez-moi d'avoir écorché le nom, et puis et donc tous ces gens-là, ils étaient là parce que il fallait quand même que ça puisse se discuter, tout ça. Oui, c'est des citoyens qui sont interpellés par le fait que ce bien commun soit accaparé par des privés. Et prive le reste de la population d'une ressource qui est vitale. C'est une banalité de le dire, mais donc, j'ai l'impression que par moments on l'oublie. Et pourquoi tout ça ? Pour un modèle agricole qui est complètement obsolète maintenant. Hein, cultiver du maïs à grand renfort d'eau, de méga-bassines, pour ensuite l'envoyer à des milliers de kilomètres pour nourrir des animaux revenir via la vertu des contrats de libre-échange. Voilà, tout ça, c'est pas possible. Complètement absurde. Voilà. Alors donc, sur la forme, il y avait tous ces gens-là qui s'étaient réunis, qui avaient organisé la façon dont ils allaient manifester à Sainte-Soline, et ils avaient prévu trois cortèges. Alors, les trois cortèges, attention, avec des noms, on sent bien que là, toute l'agressivité était là, parce qu'il y avait l'anguille bleue, attention, c'est dangereux les anguilles quand même, la loutre au jaune, alors là, bon. Et puis, pour finir, l'outarde rose. Là, moi, je crains quand même ces choses-là. Et donc, Darmanin avait très, très peur. Ils avaient d'ailleurs construit un magnifique oiseau en bois. Oui. Il y avait eu, donc, on sentait qu'il y avait eu une certaine application, et puis que c'était plutôt festif, hein, c'était plutôt se regrouper sur un sujet majeur, important, hein, mais aucune agressivité. Enfin, voilà. Il y avait pas. Il faut préciser quand même que cette manifestation n'avait pas été autorisée par la préfète, et qu'elle a quand même eu lieu, et que Darmanin avait prévenu que ça risquait d'être violent. Voilà. Le but de cet investir symboliquement le chantier, quelques heures, pour dénoncer l'accaparement de l'eau. Alors le chantier... On peut se demander quand même pourquoi cette manifestation n'avait pas été autorisée, parce que... En fait, il n'y avait aucun risque. Hein. Les gens allaient vers une méga bassine qui n'avait aucun aménagement de pompage. Hein. C'était vraiment un trou. Ni de bâche, ni de tuyaux, ni de pompe. Il y avait juste un trou. En pleine nature, donc bon, il ne pouvait pas y avoir de dégradation. On peut entendre que Darmanin expliquait qu'il avait peur qu'il y ait une ZAD. Alors tu disais, Alain, que Et alors pourquoi pas, quoi. Après tout, pourquoi une ZAD n'aurait pas le droit d'exister dans une démocratie ? Zone à défendre. Voilà. Hein, ZAD, hein, zone à défendre. C'est une prise de position. Dans une démocratie, il y a des différences. Bon, en tout cas, ça ne méritait pas le traitement qui a été fait à ces gens qui manifestaient. Parce que ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que ça a été extrêmement violent. Extrêmement violent. Il y a eu 5000 grenades qui ont été tirées. 5000 grenades en 1h30. Ouais. Grenades et LBD. Ça fait une munition par seconde. Voilà. Il y a eu des LBD. Pendant 1h30. Ouais. Des LBD, il y a eu des quads qui sont passés, qui ont tiré sur les gens. En tir tendu. Il y a eu des tirs tendus. C'est-à-dire quand même qu'il y a eu des crânes défoncés. Ouais. Des crânes défoncés. Il y a eu 240 personnes blessées. 240. Ouais. C'est effrayant. Quand on voit les images, puisqu'on a regardé ensemble, hein, chacun de notre côté, mais on a regardé un truc qui s'appelle Autopsie d'un carnage, qui a été fait par Off Investigation, d'une part, et Reporter. Allez voir ce document. Hein. Sainte-Soline, Autopsie d'un carnage. Mais quand on voit ça, mais il y a des images, mais c'est effrayant. Il y a des moments, on est dans le nuage, complètement dans le nuage, quoi. Avec des gens qui sont blessés, qui crient au secours. Et on est complètement dans un nuage de... Et rappelons que même certains gendarmes, alors bien sûr, je dis bien certains, parce qu'il ne faut pas être contre la gendarmerie, hein, mais certains gendarmes, disons, ont tiré sur des blessés. Et d'après la Convention de Genève, qui a été ratifiée par la France en temps de guerre, les personnes civiles blessées et malades seront, disons, soignées. Hein. Elles seront recueillies et soignées. Alors que tout ceci n'a pas été respecté. Non, ils n'ont pas été soignés, là. C'est-à-dire qu'il y avait des élus, hein, qui étaient sur place, donc qui ont récupéré les blessés qui étaient les plus gravement atteints et qui ont fait une chaîne humaine autour de ces blessés et qui appelaient la préfecture pour demander qu'on envoie des secours. Et la préfecture refusait d'envoyer des secours. Il y a des gens qui sont restés là pendant très longtemps et des gens dont le pronostic vital était engagé.
Donc imaginez quand même les élus qui font cette chaîne pour protéger, les flics qui tirent les lacrymos dessus, et les élus, à partir de 14h13, parce que c'est tout a été minuté, hein, entre autres par la Ligue des droits de droits de l'homme, hein, qui était là en tant qu'observatrice. Et je crois même qu'on leur a tiré dessus. On leur tire dessus, élus, bien sûr. Oui. Et donc, à partir de 14h13, des syndicalistes, des élus essaient de convaincre la préfète de laisser passer les ambulances pour venir soigner des gens qui ont quand même un bout du crâne en moins. Hein. Oui, c'est-à-dire avec un bout de cerveau qui est en train de tomber par terre. Hein. C'est quand même pas rien, quoi. On demande à faire passer des ambulances. Non, 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 non. Ces gens-là sont dangereux. Et après, est invoqué le fait que si jamais on laissait passer des secours, les Black Blocs allaient s'en prendre au secours. Complètement délirant. Et finalement, les ambulances, les premières ambulances peuvent passer une heure plus tard. C'est fou, quoi. Ouais. Et il y a des blessés qui ont été conduits à l'hôpital par des manifestants qui étaient là, ouais, parce que les secours n'arrivaient pas. Donc tout ça, maintenant que les faits sont rappelés, je pense qu'il faut passer un petit temps d'analyse, de voir un peu ce qu'il y a derrière tout ça maintenant, voir comment le gouvernement perçoit de simples citoyens qui sont là pour défendre un bien commun. On voit dans le film, là, à un moment donné, un des chefs de... Je ne sais pas si c'était la gendarmerie ou la police, qui voit arriver les manifestants. Il n'y avait pas encore du tout de... Rien ne s'était encore passé. Il voit arriver les manifestants et il dit « Les adversaires sont en vue. » Les adversaires. Et après, vu ce qu'ils tirent dessus, c'est des ennemis, en fait. Ah ben, hein, complètement. C'est clair, hein, c'était une guerre de tranchées. Et il faut quand même rappeler que dans les manifestations, quand la police est là, elle est là pour protéger les manifestants, elle n'est pas là pour les... Non, mais là, ils protégeaient un truc énorme, quand même. C'était cette bassine. Et imagine un énorme trou avec rien dedans. C'est quand même magnifique à protéger. Il protégeait rien. Ah ouais, il faut protéger ça quand même. Non, un trou. En fait, ça a été une ratière, ça a été un piège monté de toutes pièces. Ils ont laissé avancer les gens pendant 6 km sans rien, sans les empêcher. Ils les ont cernés avec des quads. Et ensuite, il y avait 50 ou 100 quads, je sais pas. C'était énorme, quoi. Ils ont attendu que les gens viennent au contact. Et là, ça a été le carnage après. Hein. Et pire, ils ont après, il y a eu des récompenses, disons, au niveau de la gendarmerie. Hein. Voilà. Le groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres a été récompensé. 40 gendarmes ont reçu des médailles d'or de la Défense nationale pour leur engagement. Une réserviste a été faite chevalier de l'Ordre national du mérite. Quand ça paraît incroyable. Défendre un trou. Moi, j'ai défendu le trou. Alors, bon, voilà, il y a des manifestants qui parlent d'une volonté d'écraser. Il y avait la volonté d'écraser. Et surtout que votre récit n'existe pas. Parce qu'en plus, ils ont empêché que ça puisse être raconté. Exactement. Voilà. On en revient au sujet qu'on a un petit peu abordé l'autre jour sur les médias et sur le danger d'avoir des médias qui appartiennent à des manias de... Disons, ce n'est pas des médias d'information, mais de propagande. Voilà. Tout à fait. Hein. Parce que quand même, le Conseil d'État va annuler la demande de dissolution qui a été déposée par Darmanin au motif... De la demande de dissolution des soulèvements de la terre. Des soulèvements de la terre, oui, tu fais bien de préciser. Aucune provocation à la violence contre des personnes ne peut être imputée au soulèvement de la terre. C'est ce que déclare le Conseil d'État. Exactement. Donc, il refuse de dissoudre. Voilà. Exactement. C'est fou, quoi. Et donc, tout ça a été documenté par la Ligue des droits de l'homme, qui était là en tant qu'observatrice, et qui s'est fait attaquer par Darmanin, après l'événement, qui voulait... Il n'a pas dit comme ça, mais il a dit qu'il allait se pencher sur le financement... Voilà, donc ça a fait un tollé, évidemment, et donc la Ligue des droits de l'homme a sorti un rapport qui raconte tout ce Alors, qui tu, s'est tu passé. Mets, tu voulais mettre ça en perspective avec l'usage de l'eau, hein, d'une manière générale, hein, Amélie. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vendredi, on ne l'a pas dit, mais vendredi dernier, le 22 mars, c'était la journée mondiale de l'eau, qui est organisée par l'ONU. Le thème de cette journée, cette année, parce que ça a lieu chaque année, c'était l'eau pour la paix. Donc l'eau pour la paix, ça veut tout dire, hein, vraiment. C'est le fait que l'eau, c'est un bien tellement précieux
que si on ne se pose pas pour discuter ensemble des usages qu'on veut en faire et comment on place les priorités de ces usages, il va y avoir des conflits internationaux et aussi intranationaux. J'ai l'exemple de la Suisse en ce moment, qui commence à tirer un peu parce que le Rhône est alimenté par un glacier qui est en train de fondre. Donc la ressource en eau est en train de diminuer et la Suisse est en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire nous, on va peut-être avoir besoin de bloquer à un moment donné l'arrivée de l'eau en France parce qu'on en a besoin pour faire de l'électricité chez nous. Et nous aussi, les Français, on a besoin de l'eau du Rhône pour l'irrigation et aussi pour refroidir les centrales nucléaires. Donc vous voyez, c'est vraiment un sujet qui touche à tout, qui est au centre de tout. Tu sais que ça peut amener la guerre, hein, parce que par exemple, au Proche-Orient, chose dont on ne parle pratiquement jamais, les gros conflits qu'il peut y avoir, Israël compris évidemment, oui. C'est sur les barrages, sur l'eau, exactement. C'est rétention d'eau, etc. Et après on t'explique que c'est parce que le machin il est juif et parce que machin est arabe et musulman, pardon. C'est pas ça le problème. Oui. Hein? Bon, voilà. Oui. Alors bon, est-ce que tu as fini? Oh, sûrement pas, mais il y aurait tellement à dire. Voilà, mais je crois qu'on a quand même dit l'essentiel. Ouais. Parce qu'il y a aussi une actualité relativement importante, hein, entre autres, pour continuer sur ton feuilleton, Amélie, sur l'éducation nationale. Tu sais que les gens qui ont osé dénoncer le fait qu'il y avait des rats dans les établissements de l'éducation nationale se sont retrouvés rappelés à l'ordre parce qu'ils ont un devoir de réserve. C'est magnifique. On marche sur la tête complètement. Hein. Il n'y a pas que les agriculteurs qui marchent sur la tête. Au lieu de se dire, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On va te rappeler alors parce que tu n'as pas le droit de le dire. On casse le thermomètre comme ça. Bon, voilà. Alors c'est vrai qu'en lien avec cette histoire de l'eau, moi je trouve que sur l'environnement, quoi, il y a quand même ce traité du CETA qui a été retoqué. Alors ça, c'est la surprise du siècle. Hein. La surprise électorale, puisque c'est parce qu'on est en période électorale qu'ils font ça. Peut-être hein. Bien, pas, ouais. Faut pas se en raconter tout cas, le les Sénat, histoires. Quand même, le Sénat. Oui, le Sénat. Hein. On regarde en deux fois. Hein. On se dit, qu'est-ce qu'il leur a pris, quoi. Ouais. Alliance entre LR et le PC. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a des choses surprenantes, des fois. Bon, alors, Macron chef de guerre ou VRP de l'armement français? Qu'est-ce ah ben là, depuis qu'il fait de la boxe et qu'il fait des photos. Enfin, en tout cas, il a ce langage guerrier qui remonte déjà au Covid. Il nous explique tous les quatre matins qu'on est en guerre. Hein. Il faut réarmer aussi. Il faut tout réarmer. Ouais. Tu sais que donc on est passé deuxième vendeur d'armes au niveau international. Hein, donc cocorico, bravo Macron. Est-ce qu'on en est fiers? Je ne suis pas sûr qu'on en soit tous fiers. Il a peut-être beaucoup d'actions chez Thalès, on ne sait pas. Et d'autre part, donc évidemment, on vend des armes à Israël en ce moment pour aller taper sur la gueule à Gaza. C'est pas mal. Hein, voilà. Alors, il y a quelque chose quand même qui nous est arrivé là dans la quinzaine qui vient de passer, que je trouve pas négligeable. C'est BLM Bruno Le Maire qui nous a expliqué que l'État-providence, c'est... Fini. Fini. Fini l'État-providence. Et oui, mais l'État-providence, providence pour qui, hein? C'était voilà. Pour qui, hein? Parce ça. Que je crois que l'État-providence était beaucoup providence pour les riches, hein, quand même. Bah oui. Voilà. C'était eux qui étaient les plus aidés, hein, ouais, les plus aidés par l'État. Mais lui, pour lui, non, on n'aide pas encore assez les riches, tu comprends. Et donc, il va falloir qu'on passe de l'État-providence à l'État protecteur. Et donc, ça veut tout dire. C'est vraiment des affreux, quoi. Hein. Et alors, tu avais un tableau, toi, Alain. Je vais te laisser le temps de le chercher, là, ton petit tableau sur... Eh bien, pendant que tu le cherches, moi, je vais faire une petite annonce. Donc, sur ce sujet, précisément, il y a une très bonne vidéo sur YouTube, sur la chaîne Osons Causer, qui parle précisément de ça. D'accord. Voilà. Ouais. Parce que quand même, pour alimenter la discussion, le Sénat fait une enquête sur la façon dont BLM gère tout ce qui est économie, parce que depuis 2017, il y a des rétentions d'informations. C'est-à-dire que le ministère de l'économie retient des informations, ne donne pas toutes les informations et on se retrouve avec un déficit supérieur à 5%. Donc le budget est voté par 49,3 et en plus on ne sait pas tout.
On sait pas tout. Et évidemment, alors, ils nous expliquent que c'est une catastrophe parce qu'on est à plus de 5%. Les États-Unis sont à 7%. Hein, oui, et en plus, ils mènent pas du tout une politique d'austérité, eux. Hein. Voilà, c'est tout l'inverse. Hein. Ils injectent de l'argent public massivement dans l'économie. Hein. Et donc, eux, ils ont très peu de problèmes de chômage, etc., évidemment, puisque... Voilà. Alors, oui, alors ton tableau... je l'ai retrouvé, alors... Alors, c'est l'augmentation du patrimoine des milliardaires entre 2009 et 2020. Eh bien, c'est la France qui a le pompon, hein, plus 439%. Hein. C'est-à-dire, même les États-Unis, si vous voulez, ils sont à plus 170%. Petit joueur. La Russie, 80%. Le Brésil, 99%. Le Royaume-Uni, 168%. Et l'Allemagne, 175%. Voyez-nous, 439%. C'est magnifique. C'est énorme. Ouais, ouais. Énorme. Alors donc, on dit à BLM qu'il faut continuer de nous étrangler, hein, parce que c'est ça qu'il est en train de nous annoncer. Hein, c'est que là tout ce qui est sécu, tout ça, ça voilà. Alors je peux me tromper, mais je pense venir, disons, à une augmentation de TVA. Oui, c'est possible. On verra. Ouais. En période d'inflation, c'est pas mal. C'est pas mal. Depuis 2022, il y a quand même eu 17 morts dans les quartiers à cause de refus d'obtempérer. Donc là, il faudrait quand même un peu, à un moment, se poser des questions sur que fait la police. Hein, parce que ça commence à devenir grave. Surtout que depuis 2017, ils ont refusé de faire un plan Borloo. Borloo leur avait proposé un plan, etc. Ils n'ont rien fait depuis 2017. La seule réponse qu'ils ont, c'est on flingue des jeunes. C'est bien. Hein. Et au fait, j'ai trouvé le programme du RN. Parce que depuis le départ, moi, je ne sais pas, comme vous, hein, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'ils proposent? C'est clair. Alors? Alors, mais je vous assure, ils proposent un truc. Alors? Ouais, alors? Être calife à la place du calife. Ah. Ben voilà, c'est tout. Ah ben, ils ont un super programme. Hein. Alors, ouais, c'est vachement bien comme truc. Alors, il y a quand même une nouvelle locale dont il va falloir un peu parler. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce locale. Qui se passe à Saint-Pierre-de-Colombiers? Ah, Saint-Pierre-de-Colombiers. Alors? Alors, la préfète s'est décidée? Oui. Oui. Préfète a posé un arrêté? Oui. Et donc, suspense. Elle a arrêté les travaux. Pour un an. Ouais, on ne sait pas si c'est pour un an. Enfin, c'est en tout cas tant qu'il n'y a pas eu d'informations suffisantes pour dire si il y a des espèces protégées qui sont atteintes ou pas. Mais là, c'est un très gros soulagement. Vraiment, ouais. Il faut tirer un grand coup de chapeau à tous ceux qui se sont mobilisés parce que c'était très dur, je crois, pour eux. Hein, vraiment. Ouais. Parce que, bon, cet FMND, hein, c'est quand même quelque chose qui est visé par la Miviludes, hein, quand même, c'est donc pratique sectaire. Ils vont quand même dans les EHPAD, démarcher dans les EHPAD, les vieux qui sont mourants et qui n'ont pas d'héritier. Et puis, ils récupèrent le pognon. Et... Oui. Et donc, voilà. D'ailleurs, il est dans le viseur de la justice. Hein. Le père Bernard, alias Gérard Pinède, hein, c'est toi qui disais ça, là. Oui, disons, je l'ai lu hein, dans la presse. Hein. Ouais. Bon, lui, il est accusé d'abus de faiblesse. Voilà. Alors, c'est un boulanger, je crois, de l'Orac, hein, il me semble. Demain, on fait la fête à la Bobine à partir de 18h, de 18h à 21h, sur ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Juste un petit rappel. Bon, les élections européennes, vous le savez, ont lieu le 9 juin. Et il faut vraiment, si ce n'est pas déjà fait, s'inscrire sur les listes électorales. Il faut vraiment aller voter. Je pense qu'avec tout ce qu'on vient de vous dire... J'espère qu'on vous a motivé. Ouais. Et donc, pour s'inscrire sur les listes électorales, la date limite, si on s'inscrit en ligne, c'est le 1er mai. Et si on va à la mairie, c'est le 3 mai. Il faut se munir d'une pièce d'identité, un justificatif de domicile et un document, un CERFA, dont j'ai oublié le numéro. Mais n'attendez pas, quoi. Enfin, allez-y. Ouais. Hein, parce que si vous n'allez pas voter, bah, évidemment, ils vont continuer. Hein. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein. Il y aura d'autres Saint-Solines, il y aura d'autres RN qui monteront pour mettre un calife à la place du calife. Voilà, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. Alors, il y a une dernière chose, c'est il y a un festival de films sur la Palestine qui va avoir lieu du 2 au 10 avril, et donc qui s'appelle Palestine en vue. Où ça? À Aubenas. À Aubenas. Au navire. Voilà. À bientôt. À bientôt.